Ferry. Je vais vous raconter donc trois histoires qui sont liées entre elles. Tout le but de l'opération, c'est de vous montrer le lien entre elles et qui caractérise le XXe siècle européen. Donc c'est une histoire européenne au départ qui va s'étendre après au reste de l'Occident, plus ou moins au reste du monde, difficilement d'ailleurs au reste du monde parfois. Trois traits du temps présent qui, encore une fois, forment un tableau cohérent. Un, une déconstruction des valeurs traditionnelles comme jamais dans l'histoire de l'humanité. On a vécu un XXe siècle qui ne ressemble à aucun autre de ce point de vue-là. Deux, l'émergence de la mondialisation. Et je voudrais vous dire ce que c'est que la mondialisation d'un point de vue philosophique, pas simplement d'un point de vue économique. Et puis trois, l'invention du mariage d'amour en Europe, qui est donc une histoire qui est relativement bien connue maintenant, mais seulement depuis une date très récente. Quand je dis que c'est bien connu des historiens du Moyen-Âge, mais c'est très peu connu du grand public et même de mes collègues. C'est une histoire qui, encore une fois, n'a été racontée que très récemment. Déconstruction, mondialisation, invention du mariage d'amour, de la famille moderne. Et comme vous allez voir, les trois traits sont inséparables. Ils caractérisent vraiment l'Europe, la culture, la civilisation européenne du XXe siècle. Et comme Hegel disait que la philosophie, c'est la compréhension de son temps, je pense que ça fait vraiment partie de la tâche la plus importante, en tout cas la première tâche de la philosophie, que de comprendre ces trois grands traits du temps présent, qui d'ailleurs ont aussi des implications morales considérables, politiques, mais aussi métaphysiques. Voilà pour le préambule. 1. Je vais être très bref sur le premier trait, déconstruction des valeurs traditionnelles, ça va presque de soi. On a vécu au XXe siècle une déconstruction des traditions, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Regardez l'histoire de l'art contemporain, de l'art moderne, on a cassé la figuration en peinture, on a cassé la tonalité en musique, on a cassé les règles traditionnelles du roman, de la danse, du théâtre, même du cinéma. Et donc on a vécu une histoire culturelle qui est une histoire d'innovation et de rupture, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Vous pouvez reprendre vos livres d'histoire, regardez le déclin de l'Empire romain ou la Révolution française. C'est une plaisanterie à côté de ce qu'on a vécu de manière pacifique en termes d'érosion, disons, des traditions, des autorités, des valeurs traditionnelles, mais aussi en termes d'innovation, ça va ensemble. L'innovation et la rupture avec la tradition ne sont que les deux faces d'une même médaille. Alors je n'y insiste pas parce que je pense que c'est suffisamment bien connu, c'est pas ça l'essentiel. Si je voulais en rajouter un peu, je dirais que c'est pas simplement l'histoire de la haute culture qui est caractérisée par l'innovation et la rupture permanente avec les traditions, c'est aussi l'histoire sociale, l'histoire de la vie privée. Par exemple, c'est un chiffre, je trouve, très frappant. Il y avait 6 millions de paysans dans la France des années 50, dans mon enfance. Il reste aujourd'hui 312 000 exploitations agricoles. On a divisé pratiquement par 10 le nombre de paysans en France en moins de 60 ans. Ça ne change pas simplement le paysage géographique, naturel et physique du pays, ça change évidemment aussi profondément son paysage politique, son paysage moral, son paysage culturel. On a aussi, sur le plan, comment dire, sociétal, comme on dit aujourd'hui, c'est pas simplement la fin des paysans. Vous savez que les historiens parlent maintenant de la fin des paysans, parce que à la fois leur nombre a été considérablement réduit en Europe, mais aussi le métier a considérablement changé. C'est pas le même métier que dans mon enfance. Aujourd'hui, le paysan, c'est un agriculteur qui est aussi un chef d'entreprise. C'était pas le cas dans les années 50 encore. Mais regardez d'autres évolutions, qui sont d'ailleurs tout à fait passionnante et positive. L'histoire des femmes, c'est une histoire, si je puis dire, très récente. Non pas que les femmes n'aient pas existé dans l'histoire de l'humanité, n'aient pas joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Europe, mais l'émancipation des femmes est un phénomène extraordinairement récent. Si on prend comme critère, par exemple, le droit de vote, j'ai souvent l'occasion de prendre cette référence parce qu'elle est là aussi très frappante, comme le chiffre que je vous donnais sur les paysans. Le dernier canton de Suisse à accorder le droit de vote aux femmes, c'est le 28 avril 1991. Donc vous voyez à quel point c'est récent, à quel point l'évolution de la condition féminine, l'émancipation des femmes a été un phénomène incroyablement soudain, profond, récent dans l'histoire de l'Europe. Quand je dis à ma fille qu'en 1991, les femmes en Suisse n'avaient pas encore le droit de vote, elle me regarde comme si je sortais de Jurassic Park ou en tout cas des pierres à feu. Ça lui paraît inimaginable que ce soit si récent dans un pays, entre guillemets, civilisé, au cœur de l'Europe, comme la Suisse, qu'il ait fallu attendre 1991 pour que le dernier canton, l'Appenzell en l'occurrence,
accorde, si je puis dire, le droit de vote aux femmes. Donc on a des évolutions qui sont considérables, qui sont soudaines. J'ai souvent aussi l'occasion de dire que, dans l'autre sens, c'est également quelque chose d'incompréhensible. Je veux dire par là, pour ma fille qui a 23 ans, ça lui paraît inimaginable qu'en 1991, au cœur de l'Europe, les femmes n'aient pas eu le droit de vote. Mais réciproquement, je déjeunais l'autre jour avec une dame qui est amirale dans la marine française. Si j'avais dit à mes deux grands-pères qui ont fait la guerre de 14 que je déjeunerais avec une dame qui peut commander un torpilleur, ils seraient tombés de leur chaise. C'est une femme qui commandait la patrouille de France il y a peu, là aussi pour mes grands-parents, c'eût été totalement inimaginable. Et donc on a vécu, sur le plan des mœurs, j'aurais pu évoquer la question du mariage gay, par exemple, là aussi, mais totalement inimaginable pour mes grands-parents, quoi qu'ils pensassent de l'homosexualité, c'est pas le sujet, c'était simplement hors champ, ça rentrait pas dans les scanners, dans la configuration intellectuelle et morale qui était la leur, ça n'avait pas de signification. Et donc on a vécu, sur le plan aussi sociétal, comme on dit aujourd'hui, une série d'évolutions, d'innovations, de ruptures avec les traditions, aussi bien dans le monde rural que dans le monde des femmes. Alors j'évoque pas l'école parce que on pourrait y rester aussi toute la soirée, mais c'est vrai que le monde scolaire, lui aussi, a changé davantage en 50 ans qu'en 500 ans. Quand vous regardez les films des années 30, 40, 50 qui mettaient en scène des établissements scolaires, c'est tout simplement méconnaissable. Je cite souvent le film, le fameux Topaz de Pagnol, avec cet immense acteur que fut Louis Jouvet dans le rôle titre. Souvenez-vous, la célébrissime dictée de Topaz, « Les moutons se pécèrent dans un pré ». Eh bien, on entendrait un moucheron voler à 150 mètres, vous remettez la même dictée dans un lycée un peu délicat ou un collège un peu délicat d'aujourd'hui, et Louis Jouvet ressort en tutu dans le quart d'heure. On est vraiment dans un autre monde sur le plan sociétal. Je ne parle même pas des révolutions scientifiques, mais pensez que la découverte de la double hélice de l'ADN, Watson et Crick, c'est 1957. Ça veut dire qu'un médecin qui, à mon âge, n'a pas appris la génétique moderne à l'université. Donc on est là dans une série, et je ne parle pas de l'audiovisuel, du numérique, de l'Internet, etc. On a vécu une série d'innovations et de ruptures avec la tradition comme jamais dans l'histoire de l'humanité, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan politique, sur le plan moral. C'est quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. Aucun autre siècle n'est comparable au XXe siècle européen à cet égard. Et puis après, ça essaime plus ou moins au reste du monde, évidemment, les pays qui dépendent culturellement de l'Europe, comme les États-Unis, l'Amérique latine, etc., vont rentrer dans le même tourbillon d'innovation et de rupture, mais ça mettra évidemment beaucoup de temps à s'élargir au reste du monde. Et il y a évidemment aussi des pays qui résistent terriblement, ou plutôt des civilisations même qui résistent terriblement à cette logique de l'innovation destructrice, parce que, évidemment, si vous êtes attaché fortement à des coins de tradition, cette logique du capitalisme moderne, elle apparaît en effet comme dévastatrice. Et donc, elle n'apparaît pas simplement comme émancipatrice, même si elle l'est à bien des égards. Je ne jette pas du tout sur cette histoire un regard pessimiste, mais c'est évidemment aussi dévastateur dès lors que vous êtes attaché à un coin de tradition, quel qu'il soit. Regardez le débat sur le mariage gay, toutes les religions étaient dans la rue, si je puis dire. Elles étaient hostiles à cette innovation, entre guillemets, que représentait, ou cette rupture avec la tradition que représentait l'autorisation du mariage homosexuel, qui d'ailleurs gagnera du terrain dans toute l'Europe, aux États-Unis, et qui finira par s'imposer partout. Il y a là quelque chose qui appartient à la logique du capitalisme moderne, à cette logique de l'innovation destructrice, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais, question, pourquoi au XXe siècle, pourquoi en Europe ? Pourquoi on a vécu cette émergence de l'art moderne, cette émergence des mœurs modernes dans la vieille Europe, et pourquoi au XXe siècle, et pourquoi pas en Afrique, en Chine, en Inde, au Pakistan, que sais-je encore ? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous pour qu'on vive cette logique de l'innovation destructrice de manière aussi flagrante, de manière aussi puissante ? Que ce que nous avons vécu au XXe siècle en Europe. Il y a deux explications qui sont toutes les deux passionnantes, ces deux histoires magnifiques d'ailleurs. La première explication, c'est l'apparition à Paris, d'ailleurs ça commence à Paris, dans les années 1830, d'un idéal de vie
qu'on va appeler la vie de Bohème. J'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « La naissance de la vie de Bohème », sur ces petits groupes des années 1830-1890. En gros, c'est la période de la vie de Bohème, la vie parisienne, dans les cabarets, dans ce qu'on appelle les brasseries de femmes. Et ce qui est tout à fait caractéristique de cette période 1830-1900, ou 1890, c'est qu'on voit fleurir à Paris quantité de petits groupes qui sont les 68 arts avant la lettre et qui vont se donner des noms qui vont passer, d'ailleurs pour certains d'entre eux dans le langage courant, des noms qui désignent la volonté de rompre avec la tradition et d'innover sur le plan littéraire, sur le plan artistique, sur le plan politique, sur le plan des mœurs surtout. Ces jeunes gens s'appellent les je-m'en-foutistes, ils s'appellent les hirsutes, les incohérents, les hydropathes, les buveurs d'eau, les jeunes, les brutalistes. Il y a toutes sortes de petits groupes qui apparaissent, un peu comme on refera en 68 avec les Mao, les trotskistes, etc. Ces petits groupes se réunissent la plupart du temps, encore une fois, dans des cabarets ou dans des brasseries de femmes, comme on les appelle à l'époque. Et ces petits groupes sont animés par une idée que d'ailleurs Rimbaud exprimera, et qui sera d'ailleurs reprise en 68, « La vraie vie est ailleurs ». C'est l'idée qu'il faut faire table rase des traditions, faire table rase des valeurs bourgeoises, des valeurs traditionnelles. Leur grand thème, c'est la critique du monde bourgeois, pour inventer un monde nouveau, pour inventer un monde inouï, inédit, qui n'a jamais existé nulle part dans l'histoire humaine. Il s'agit d'enchanter le monde ou de réenchanter le monde en commençant par faire table rase des traditions. C'est d'ailleurs pourquoi ça s'est passé à Paris, parce que c'est un héritage à la fois de Descartes et de la Révolution française, c'est de cette idée qu'il faut faire table rase du passé, comme Descartes met en doute tout ce qui vient du passé, ou comme les Jacobins veulent abolir l'Ancien Régime et recommencer à partir du calendrier de l'an 1, comme vous savez, qui symbolise ce nouveau départ. Eh bien, mes petits bohèmes sont des héritiers de cette... de ce geste cartésien, de ce geste révolutionnaire, typiquement français. Après, encore une fois, ça s'étend plus ou moins au reste du monde. Mais ils ont cette conviction donc, que pour atteindre cette vraie vie qui est ailleurs, il faut commencer par déconstruire les valeurs bourgeoises, les valeurs traditionnelles d'une manière générale. D'où les noms qu'ils se donnent, que j'évoquais tout à l'heure, qui indiquent tous la volonté de rupture avec la tradition. Je m'en foutiste, hirsute. Ils sont tous les fumistes. Le premier mouvement, peut-être celui qui parcourt tous les autres, c'est le fumisme. Alors, fumistes, pourquoi ils s'appellent les fumistes? Alors, le grand représentant du fumisme, c'est Alphonse Allais. Ils s'appellent les fumistes parce qu'à l'époque, les fumistes, ça désigne les ramoneurs. Et les ramoneurs, ils sont tout sales, ils sont avec des espèces de salopettes qui sont toujours noircies, évidemment, en raison de leur métier. Et donc, on voit immédiatement que ce ne sont pas des bourgeois. Et puis fumiste aussi, parce qu'on commence déjà, il y a un texte de Théophile Gautier qui fait partie de ces premiers groupes qui s'appellent les hachichins, on commence déjà à fumer du hachiche, à faire l'expérience des paradis artificiels. Le premier groupe, c'est la bohème du doyenné. Le nom vient de la rue dans laquelle se sont installés Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Pétrus Borel. On est en 1830, ce sont tous des admirateurs de Victor Hugo. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le moment où le romantisme français, car ce sont tous des romantiques, Borel, Nerval, Gautier. D'ailleurs, Gautier, qui est un écrivain magnifique, je vous conseille vraiment la lecture de son Histoire du romantisme, qui est sublime. Eh bien, ce sont des romantiques, mais ce sont des romantiques qui ont rompu avec Chateaubriand et qui sont disciples de Hugo. Ça veut dire quoi en clair? Le romantisme de Chateaubriand, c'est un romantisme contre-révolutionnaire. Il déteste la Révolution française et c'est un romantisme qui est, au sens propre du terme, réactionnaire. Il s'agit de revenir à l'Ancien Régime. On est royaliste, évidemment, on est catholique, on est nationaliste. Il s'agit de revenir à l'Ancien Régime contre la Révolution française, contre l'héritage des Lumières, comme dans le romantisme allemand. Alors qu'avec Victor Hugo, on a un romantisme qui va devenir républicain et libertaire, même anarchiste avec Pétrus Borel. Et donc on a un romantisme qui va, à la différence du romantisme allemand ou du romantisme de Chateaubriand, qui va être un romantisme plutôt révolutionnaire que contre-révolutionnaire. Donc on a là vraiment une particularité française. Le dernier groupe, je vous l'indique pour la route, parce qu'il est quand même très drôle, il y en a deux en fait, c'est le même, enfin le deuxième est un avatar du premier. C'est le groupe des hydropathes. Hydropathes, c'est un avatar lui-même d'un petit groupe qui s'appelait les buveurs d'eau.
Les buveurs d'eau, ils s'appelaient buveurs d'eau parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. La Bohème est miséreuse, évidemment. Ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter de l'absinthe, du vin ou de la bière, donc ils étaient les buveurs d'eau. Alors ça devient dans les années 1878 les hydropathes, et ils sont dirigés par un type qui s'appelle Émile Goudot. On adore les calembours à l'époque, il habite rue Boileau, donc ça les fait beaucoup rire. Et ce petit groupe des buveurs d'eau, qui devient le groupe des hydropathes, dirigé par Émile Goudot, ce qui peut d'ailleurs s'entendre en français comme en anglais, hein, goût de l'eau ou goût de eau, eh bien il va se transformer en groupe des incohérents à partir de 1886. Et ce groupe des incohérents, avec notamment Alphonse Allais, il y a toujours Émile Goudot qui est là, il va s'installer à Montmartre. Il y a toute une géographie de la Bohème. Ça commence dans le quartier latin, ça va ensuite à Montparnasse, et puis ça va à Montmartre. À la fin, dans les cabarets de Montmartre, notamment le Chat Noir, qui va rester célèbre avant le Lapin Agile, eh bien, ces jeunes gens vont faire des expositions, les incohérents. C'est toujours la même idée, il s'agit de choquer les bourgeois. On fait des expositions magnifiques. Quelquefois, les rues de Paris sont bloquées tellement de gens se pressent pour aller dans leurs expositions. Et leurs expositions sont des expositions dans lesquelles on rencontre des objets volontairement absurdes. Il s'agit de choquer les bourgeois, les peignes pour chauves, les balançoires de murs pour calmer les enfants turbulents. Et puis, ils vont inventer tout ce que l'art contemporain va reprendre, c'est-à-dire le premier concert de silence inventé par Alphonse Allais, d'ailleurs, parce que les grandes douleurs sont muettes, et puis que c'est pour l'enterrement d'un grand homme sourd, donc c'est pas la peine de gâcher de la note. Et puis ils vont inventer les premiers monochromes. Yves Klein et Malevitch n'ont rien inventé. Le premier monochrome, il date de 1882, ça n'avait jamais été fait avant. Innovation, rupture avec la tradition, toujours la même idée. Premier monochrome 1882, Paul Billot, on a complètement oublié l'artiste, si je puis dire, mais on a gardé le titre qui est resté célèbre, c'est le fameux combat de nègres dans un tunnel la nuit, c'est un monochrome noir. Alphonse Allais, jaloux de son ami Billot, invente immédiatement le fameux monochrome rouge, la cueillette des tomates au bord de la mer Rouge par des cardinaux apoplectiques. Ça les fait là aussi beaucoup. Et parmi les objets incohérents, il y en a un que j'aime par-dessus tout, je l'avais déjà cité dans une leçon antérieure, qui est dû à Alphonse Allais, c'est l'aquarium en verre dépoli pour poissons timides. Celui-là, je le trouve magnifique. Enfin, ils inventent des choses comme ça. Mais voyez, derrière l'humour, il y a quelque chose d'extrêmement profond. Hein, c'est toujours, en fait, la fonction de l'humour, parce qu'ils vont thématiser ça. Tout tourne autour de l'humour. Mais l'humour a une fonction qui est très profonde, qui est double. C'est à la fois de marquer la rupture avec le monde bourgeois, qui est ennuyeux. Hein. C'est le fameux Monsieur Prudhomme de la pièce d'Henri Monnier. On est en 1830, quand Henri Monnier invente ce personnage stupide du bourgeois crétin et content de lui, Monsieur Prudhomme. C'est celui qui dit qu'il faut mettre la ville à la campagne parce que l'air y est plus pur, ou que la Providence est agréable aux hommes parce qu'elle a fait pousser beaucoup de pommes en Normandie, sachant que c'est le pays dans lequel on boit le plus de cidre, enfin toutes les bêtises possibles et imaginables. Ah, c'est celui aussi qui dit, quand on lui offre un sabre le jour de son anniversaire, que ce sabre est le plus beau jour de ma vie. Tout ça vient de là. Hein. Donc c'est le personnage du bourgeois stupide. On est là en 1830. Donc toujours, l'humour a pour fonction d'installer, d'instaurer un décalage avec le monde ennuyeux qui est le monde bourgeois. On déteste la province, on est parisien. Province, pourquoi ? Parce que la province, c'est le monde traditionnel, c'est le monde de la répétition, c'est le monde de la tradition, et on veut innover. Il n'y a qu'à Paris qu'on peut innover, disent les incohérents. Et puis la fonction de l'humour, c'est pas simplement de rompre avec le monde bourgeois, c'est aussi d'enchanter la vie. Il s'agit d'enchanter le monde, et ils vont inventer donc tous ces objets absurdes, non seulement pour choquer le bourgeois, mais aussi pour que la vie soit plus joyeuse, pour faire rire, pour qu'on s'amuse, qu'enfin on sorte de cet épouvantable empire napoléonien ou Troisième République. La Troisième République, elle commence quand même assez mal, parce que les journées de février, la Commune de Paris, tout ça, ça fait des milliers et des milliers de morts. Et donc on est quand même dans des régimes qui sont de véritables chapes de plomb. Et ces jeunes gens, car ils sont évidemment tous très jeunes, ils portent déjà d'ailleurs des cheveux longs, des barbes, ce qui ne se fait pas du tout à l'époque. Et donc ils ont envie à la fois de rompre avec le monde bourgeois, mais aussi d'enchanter la vie. Ce pourquoi d'ailleurs ça se passe dans les brasseries de femmes, qui ne sont pas exactement des bordels, mais qui sont des lieux quand même dans lesquels on boit et on rencontre l'amour sous toutes ses formes. Donc on est quand même dans une espèce, encore une fois, de mai 68 avant la lettre, et ça va donner lieu à tout ce que Duchamp
à tout ce que l'art moderne reprendra, mais cette fois-ci sur un mode sérieux, c'est-à-dire qu'on va passer de l'artiste bohème à l'artiste engagé, généralement engagé au Parti communiste, comme sera Picasso, comme sera Breton, comme sera Tzara, donc le fondateur du dadaïsme, Tristan Tzara. Et donc là, on va concevoir l'art toujours comme anti-bourgeois. L'art moderne va se concevoir comme anti-bourgeois, mais anti-bourgeois au sens marxiste du terme, c'est-à-dire comme avant-garde du prolétariat, et non pas au sens bohémien du terme, où on était anti-bourgeois par humour et pour enchanter la vie. C'est pas la même chose. Ne confondez pas la première bohème et la deuxième. La deuxième, elle va se concevoir plutôt sur le modèle de l'artiste engagé dans la lutte révolutionnaire, alors que la première bohème, c'est l'artiste qui est engagé, certes, mais dans la rupture avec le monde bourgeois, non pas au sens marxiste du terme, mais au sens où il s'agit de s'amuser. Et d'ailleurs, vous retrouverez ces deux composantes dans mai 68, où il y aura les communistes, les Mao, les trotskistes, qui sont des engagés, si je puis dire, au sens de la révolte contre le capitalisme. C'est les mouvements anticapitalistes. Et puis vous aurez des libertaires anarchistes qui sont, comme Danny Cohn-Bendit, par exemple, qui sont engagés, certes, mais plutôt dans la libération, l'émancipation, sous les pavés, la plage. Il s'agit plutôt de s'amuser. C'est la libération sexuelle plutôt que la révolution prolétarienne. Vous retrouverez ces deux composantes en mai 68 qui seront un héritage au fond des deux bohèmes. Et donc on a ce mouvement hérité de Descartes, hérité de la Révolution française, cette idéologie de la table rase, cette idéologie de l'innovation radicale dans tous les domaines, qui est une des explications de cette déconstruction des valeurs traditionnelles au XXe siècle en Europe. Ça, c'est la première explication. Derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et c'est mon deuxième trait du temps présent, c'est évidemment l'émergence du capitalisme moderne, c'est-à-dire l'émergence de la mondialisation. La mondialisation, c'est évidemment ce que vous en disent les économistes, c'est-à-dire à la fois le déclin des États-nations, en même temps la dérégulation, l'entrée des BRICS dans le système, de Brésil, de l'Inde, de la Chine, de la Russie, de l'Afrique du Sud, les nouveaux entrants dans le système capitaliste, très bien, avec des coûts de production très inférieurs aux nôtres, parce que sans État-providence, sans charges sociales. Mais la mondialisation, c'est aussi une structure philosophique extraordinairement puissante que je voudrais vous décrire maintenant en quelques mots, parce que, honnêtement, c'est la clé de compréhension du temps présent qui est la plus éclairante qui soit, si je peux dire qu'une clé est éclairante, en tout cas celle qui ouvre le plus de portes. La mondialisation, c'est deux grands moments dans l'histoire de l'Europe. Le premier grand moment, le premier âge de la mondialisation, c'est évidemment la révolution scientifique du XVIIe et XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'avec le principe d'inertie, le principe de la gravitation universelle de Newton surtout, qui est quand même le premier vrai scientifique dans l'histoire du monde, eh bien c'est la première fois dans l'histoire du monde, tout simplement, qu'on voit apparaître un discours qui est mondial, qui est universel. Avant, vous n'avez que des discours locaux. Avant, on est dans la collection Contes et légendes. Il y a des mythologies, comme la mythologie grecque, mais elle est grecque. Il y a des littératures, des philosophies, des religions, mais elles sont toutes locales, régionales, liées à un coin du monde. Avec la révolution scientifique, avec le principe d'inertie, le principe de la gravitation universelle, on voit apparaître un discours qui traverse les classes sociales et les frontières. La physique de Newton, ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les puissants comme pour les faibles, pour les aristocrates comme pour les roturiers. Elle est révolutionnaire, la science, comme le dira Condorcet. Et donc elle traverse à la fois les classes sociales et les frontières. Ça vaut aussi pour les Italiens, les Chinois, les Français ou les Allemands de la même manière. Et donc on voit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité apparaître le premier discours de la mondialisation. Avant, il n'y en avait pas. Avant, encore une fois, tout était local, régional. Et donc ce premier discours de la mondialisation, lorsqu'il apparaît, évidemment son grand moment d'apparition sur la scène du monde, c'est la Aufklärung, c'est les Lumières, une métaphore qui est présente dans toutes les langues d'Europe, Illuminismo, Enlightenment, Aufklärung, Lumière. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de la métaphore de la lutte de la raison scientifique contre l'obscurantisme du Moyen-Âge.
superstition, alchimie, etc. Et donc, quel est le projet qui est porté par cette révolution scientifique ? C'est pas simplement un projet de connaissance du monde, de l'univers, des mouvements des planètes, ou, de la structure des organismes vivants. Il ne s'agit pas simplement de ça. Oui, il s'agit de ça, bien sûr. Mais il s'agit surtout de porter un projet qui est celui des Lumières, c'est-à-dire un projet qui a deux finalités. Gardez bien ça en tête parce que c'est crucial pour la suite. Les deux finalités de la révolution scientifique, la révolution des Lumières, c'est un, la liberté, deux, le bonheur. Le bien-être, une idée neuve en Europe. Il y a deux projets, ça s'appelle l'idée de progrès, elle regroupe le tout. Un, émanciper l'humanité, la rendre plus libre, la débarrasser de la superstition, des chaînes de la superstition, donc rendre l'humanité intérieurement plus libre, la rendre aussi extérieurement plus libre, il s'agit de maîtriser la nature. On pense au tremblement de terre de Lisbonne, 1755, la nature c'est l'ennemi, on n'est pas du tout écolo. Donc on va maîtriser la nature et on va maîtriser en quelque sorte sa propre pensée, penser par soi-même, sortir du monde des traditions, c'est l'héritage de Descartes encore. Et donc on veut libérer l'humanité, mais en même temps, maîtrisant la nature grâce à la technique, l'humanité va pouvoir être plus heureuse, bien-être pour tous. Il s'agit donc d'apporter le bien-être et d'apporter la liberté, et encore une fois, ça s'appelle l'idée de progrès. Et cette idée de progrès, elle va dominer l'Europe droite et gauche confondue pratiquement jusqu'à la mort du général de Gaulle. Droite et gauche confondues vont communier dans cette idée que la civilisation européenne, c'est la civilisation, il n'y en a qu'une, c'est celle de l'Europe. Les autres mettent du temps à nous rejoindre, mais on est évidemment colonialiste. Et donc on est dans la civilisation, et cette civilisation, c'est une civilisation du progrès, c'est-à-dire de plus de liberté et plus de bien-être. Et ce projet politique va animer aussi bien Jaurès que De Gaulle, Clémenceau, Adenauer ou Churchill, jusqu'aux années 70-80, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de la deuxième mondialisation, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition en même temps de l'écologie politique, c'est-à-dire la crise de l'idée de progrès. Tout ça est lié, hein, je ne vais pas le développer parce que ce serait trop long, mais les ramifications sont quasiment sans fin. La deuxième mondialisation, elle apparaît dans les années 80. Elle apparaît en fait, elle va être boostée, si je puis dire, par l'Internet, qui va rendre les marchés financiers instantanés. C'est ça vraiment l'événement majeur, c'est que l'Internet va rendre les marchés financiers instantanés et que, du coup, la communication va s'élargir au monde entier. Et du coup, la compétition capitaliste ne va plus jouer simplement à l'intérieur d'un seul pays, entre les entreprises, ou même à l'intérieur des pays européens, entre l'Allemagne et la France, l'Angleterre. Bon. Mais la mondialisation fait que la compétition capitaliste, la compétition entre les peuples, entre les entreprises, entre les cultures même, entre les universités, entre les laboratoires scientifiques, la compétition va devenir d'un seul coup mondiale. Elle est ouverte au grand large. Ça va tout changer, cette deuxième mondialisation. Ça va changer complètement notre rapport à l'histoire, à la morale, à la politique, pour une raison ou deux que je vous indique très rapidement là aussi. C'est que, d'abord et avant tout, l'histoire change de sens. Pour le général de Gaulle, l'histoire était encore animée par une fin, un objectif, un grand dessein. Liberté, bonheur, progrès, république, droit de l'homme, démocratie, humanisme, peu importe. Tout ça voulait dire la même chose. Pour la mondialisation numéro 2, ou plutôt dans la mondialisation numéro 2, l'histoire mondiale, la Weltgeschichte, comme disait Hegel, l'histoire du monde, elle n'avance plus aspirée par la représentation d'une fin. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Elle n'avance plus aspirée par la représentation d'un grand dessein, liberté, bonheur, progrès, humanisme. Mais nous avançons poussés dans le dos, si je puis dire, par l'obligation. Chaque mot compte et mériterait un petit livre à lui tout seul, par l'obligation mécanique, anonyme, automatique et aveugle, je répète, mécanique, anonyme, automatique et aveugle, d'innover en permanence ou de crever, tout simplement. On est dans une logique qui est une logique darwinienne pour les entreprises. Celui qui fabrique cette petite chose, qui est le symbole de la mondialisation, parce que c'est l'objet sur lequel la compétition mondiale pèse le plus fort, eh bien, il sait une chose et une seule en vérité, en toute certitude, c'est que si l'appareil qu'il met sur le marché dans 3 mois n'est pas plus performant, c'est-à-dire plus innovant, ou plus innové, si je puis dire, que celui que je tiens à la main,
S'il n'y a pas plus de pixels, plus de mémoire, plus un écran tactile, plus coloré, tout ce que vous voudrez, plus de connexion Internet, etc., eh bien, ou plus rapide, il sait simplement que s'il n'innove pas en permanence, il est ravalé par le voisin, comme dans Darwin, une espèce qui ne s'adapte pas est sélectionnée. Et donc, si iPhone n'invente pas, il sera racheté par BlackBerry, Nokia ou qui vous voudrez, Samsung, par le S4 ou le S5. Mais de toute façon, la compétition, elle pousse à l'innovation permanente. Ah, il faut qu'il y ait une petite ouverture digitale. Bon, est-ce que ça nous rend plus libres et plus heureux parce qu'on peut ouvrir son iPhone avec le pouce? Je ne suis pas absolument certain. En revanche, si on ne le fait pas, si Apple ne le fait pas, il sera ravalé par BlackBerry, Nokia ou Samsung. Et donc, on est dans une logique d'innovation qui a cette caractéristique très particulière, à la différence de ce qui se passait dans la première mondialisation, c'est que l'innovation n'est plus un projet, un grand dessein, un objectif grandiose, un projet de civilisation. L'innovation est devenue un cahier des charges. C'est un impératif absolu. Ça n'est pas un idéal. C'est une nécessité pour le chef d'entreprise. Si je n'innove pas, je crève. C'est ce que dit Schumpeter, son livre est génial. La logique du capitalisme, c'est l'innovation permanente, donc la rupture avec la tradition. Si je n'innove pas dans tous les domaines, eh bien, je suis voué à la mort. Il faut innover dans les produits, si je suis chef d'entreprise, il faut innover dans les transports, il faut innover dans la communication, il faut innover dans la gestion des humains, dans la suppression du papier, le stockage des données sur iCloud, tout ce que vous voudrez. Mais le chef d'entreprise qui n'innove pas en permanence, il est voué à la mort, comme encore une fois une espèce qui ne s'adapte pas dans Darwin, de telle sorte que, encore une fois, faites bien attention à ça, l'innovation n'est pas un idéal doué de sens. C'est un impératif absolu, c'est un cahier des charges obligatoire pour le chef d'entreprise. Et donc on est rentré dans une logique de l'innovation pour l'innovation. Quelquefois c'est formidable. D'ailleurs, la preuve que c'est formidable, c'est que par rapport à 1800, on vit 3 fois plus vieux qu'au milieu du 17e, du 18e siècle, même qu'en 1750 en France, on vit 3 fois plus vieux et beaucoup mieux. Et notre niveau de vie réel moyen est 20 fois supérieur à celui d'un homme, un Français du 18e siècle. Donc on a formidablement progressé. C'est un progrès que cette innovation, il ne s'agit pas de le nier. Mais c'est un progrès qui a un inconvénient, si je puis dire, c'est que cette logique de l'histoire, de l'innovation destructrice, comme je l'appelle, de l'innovation qui rompt sans cesse avec la tradition, est une logique impérative. Elle n'est pas censée. C'est encore une fois un cahier des charges, une obligation absolue. Mais ce n'est pas un projet. Je ne peux pas faire autrement. Comme un vélo qui n'avance pas tombe, ou comme un gyroscope qui ne tourne pas assez vite sur son axe se met à vaciller et tombe du fil sur lequel vous l'avez posé, un chef d'entreprise, il n'a pas le choix. Il faut qu'il innove, il innove, il innove en permanence. Et quelquefois, évidemment, l'innovation est davantage futile qu'utile. Je regardais une une du Parisien, vous avez peut-être vu là, il y a 15 jours, c'était assez drôle. J'étais dans l'avion, j'ouvre le Parisien, pas comme c'est le... j'ai écrit un petit livre là sur l'innovation, donc je regarde la une, c'était les innovations qui vont changer nos vies. Bon, j'ouvre quand même le journal en me disant, changer la vie, c'est pas rien. Grand slogan de 68, repris par les campagnes électorales de gauche. Il faut changer la vie. Bon. Alors, première innovation qui va changer ma vie, c'est un aquarium sans eau. Bon, vous me direz comment ça marche. Ben, c'est pas compliqué, il n'y a pas de poisson non plus. Donc, voilà, mais il est entièrement électronique. Donc, très bien, mais je ne suis pas sûr que ça bouleverse mon existence. Hein. Et donc, on est rentré dans une logique d'innovation pour l'innovation, qui parfois est formidable. Encore une fois, je ne nie pas du tout la chose. Hein. On a une espérance de vie. Et, qualité de vie bien supérieure, un niveau de vie bien supérieur à celui d'un paysan du XVIIIe siècle, ça n'est pas douteux, mais en même temps aussi, on est sans cesse obligé d'innover. Vous voyez bien que l'iPhone 5 ou l'iPhone 5S, franchement, par rapport au 4, il n'y a pas de quoi faire les pieds au mur. Quand ils s'amusent à changer la connectique pour nous obliger à racheter des chargeurs différents, c'est plus du racket que de l'innovation, pour dire les choses franchement. Mais ils sont obligés. Si on n'innove pas en permanence, eh bien, on est ravalé par le voisin. Et donc, on est rentré dans une logique qui est celle de l'innovation pour l'innovation. Vous voyez? Et ça, évidemment, ça pose deux problèmes majeurs, la mondialisation, cette structure de la mondialisation, dans laquelle, évidemment, nous sommes pris, beaucoup plus que maîtres du jeu. Il y a deux effets majeurs, il y en a trois en vérité, qui sont des effets problématiques,
même si globalement, ça produit du mieux-être, évidemment. Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes ravi d'avoir des scanners performants, des techniques chirurgicales éblouissantes, des progrès techniques incroyables, etc. Encore une fois, je ne le nie pas du tout. Mais je dis qu'il y a trois effets problématiques de cette structure de la mondialisation. Le premier effet, c'est que l'histoire a perdu toute espèce de signification. Nous ne savons ni où nous allons, ni pourquoi nous y allons. Nous ne savons pas quel monde nous construisons. Jamais l'histoire n'a été aussi opaque et imprévisible qu'aujourd'hui. C'est structurel, c'est pas anecdotique. Les leviers de la compétition, les foyers de la compétition, ce que Marx eût appelé les moteurs de l'histoire, ils sont en nombre infini. Et personne n'en a la visibilité, ni Mme Merkel, ni Obama, ni François Hollande. Donc on ne voit pas quels sont les foyers, les moteurs de l'histoire. La résultante, nous ne la voyons que quand elle est là. Personne n'a prévu la chute du mur de Berlin, ni les révolutions arabes, ni même la crise des subprimes. Donc l'histoire a totalement perdu son sens. Ça ne veut pas dire qu'elle soit mauvaise. C'est bien ce qui se passe souvent. Mais l'histoire est totalement dénuée de sens. Encore une fois, nous ne savons ni où nous allons, ni pourquoi nous y allons, parce que les moteurs sont en nombre infini, par millions. Rien qu'en France, il y a 3 millions d'entreprises. Donc il y a des dizaines de millions dans le monde, et donc il y a des milliers, des millions de laboratoires, d'universités qui font que l'histoire bouge, mais la résultante, nous ne la voyons que quand elle est là, elle est imprévisible. Deuxième conséquence qui est problématique, je dis problématique non pas parce que j'aime les mots de jargon, mais parce que je ne veux pas dire que cette conséquence est mauvaise, je dis qu'elle pose problème. La deuxième conséquence, évidemment, c'est que les leviers des politiques nationales ne lèvent plus rien du tout. Ce que nous vivons de manière éclatante, c'est l'impuissance publique. Pourquoi ? Parce que le marché est devenu mondial et que les politiques sont restées locales, étatiques, nationales. Et donc la discrépance entre les deux est telle que les leviers des politiques nationales ne lèvent rien du tout. Et donc s'imaginer que la croissance dépend de Bercy est juste surréaliste. Donc on voit bien qu'on est rentré là dans un phénomène majeur, qui est le phénomène de l'impuissance publique nationale croissante. D'où d'ailleurs le désespoir des concitoyens qui observent que depuis 30 ans, on parle régulièrement du chômage, et on dit chaque président de la République qui arrive au pouvoir... Sarkozy avait dit exactement la même chose que Hollande, on l'a oublié, mais exactement la même chose, à savoir qu'il ne se représenterait pas si le chômage n'était pas passé sous la barre des je sais pas quoi, 5-6%. Eh bien, chaque président de la République s'engage, et probablement avec honnêteté, c'est pas ça que je mets en cause, à inverser la courbe du chômage, à améliorer le sort. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'il n'en est rien, que les politiques nationales n'ont aucune prise sur la réalité, ou très très peu de prise sur la réalité. Donc on voit la montée de l'impuissance publique qui, encore une fois, est parfaitement compréhensible si on comprend que les politiques sont restées locales alors que le marché est mondial. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi je dis toujours que je suis fédéraliste européen, parce que je suis souverainiste. Il n'y a pas moyen de retrouver du pouvoir politique en France sans faire le détour par l'Europe, par des régions qui sont plus grandes que les nations. Et puis la troisième conséquence qui est très importante, première conséquence, c'est que l'histoire n'a plus de sens. Deuxième conséquence, c'est que les politiques nationales n'ont pratiquement plus de pouvoir. Alors il en reste un peu, bon, mais c'est très peu en vérité. Et puis la troisième conséquence, c'est que nous sommes poussés, évidemment, à la consommation, et notamment nos enfants. Nous sommes entrés dans une logique qui suppose la logique de l'innovation permanente. Elle suppose la consommation permanente. Vous pouvez pas, si on innove, c'est pour que les gens achètent. C'est l'innovation, Schumpeter avait raison, c'est l'innovation qui tire la croissance. Et donc si la consommation n'allait pas avec l'innovation, les innovations ne trouveraient pas de marché, simplement. Donc elles ne serviraient à rien. Or, elles sont faites justement pour conquérir sans cesse des marchés nouveaux. Bon. L'innovation rend obsolète tout ce qui est ancien, et donc nous jetons ce qui est ancien et nous achetons ce qui est nouveau. Personne ne roule aujourd'hui dans une voiture des années 70, ou alors vraiment pour s'amuser, où il faut être très très pauvre. Mais sinon, on rachète tous une voiture. Où personne. Quand vous regardez les smartphones, les premiers, je me souviens, les premiers Nokia, il y a 15 ans, ou quelque chose, ou Bebop, bon, c'est les pierres à feu. C'est même on les garde maintenant parce qu'ils sont collecteurs. C'est des objets de musée maintenant, quasiment. Bon. Et donc l'innovation va avec la consommation. Or, la consommation n'est possible que si on détruit les valeurs traditionnelles. C'est pour ça que je dis que le deuxième trait du temps présent, il est sous-jacent au premier. Je vais vous dire pourquoi. La consommation, elle a la même structure que l'addiction.
Qu'est-ce que c'est qu'un drogué? Techniquement, un drogué, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'augmenter les doses et de rapprocher les prises, jusqu'à la mort, s'il le faut. Un vrai drogué, il a besoin de rapprocher les doses, d'augmenter de rapprocher les prises et d'augmenter les doses. Il est exactement la définition idéale du client d'un supermarché. Pour le patron du supermarché, le client idéal, ce serait celui qui irait faire les courses plus souvent et qui achèterait toujours plus. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ce résultat? Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants deviennent des consommateurs addictifs? Eh bien, on fait une chose qui est le premier trait du temps présent. Il faut déconstruire, voire détruire les valeurs traditionnelles. Pourquoi? Parce que c'est toute la théorie freudienne de la sublimation. Plus vous avez des valeurs culturelles, morales et spirituelles traditionnelles, c'est-à-dire fortes et stables, moins vous éprouverez le besoin le samedi après-midi de mettre les enfants à l'arrière de la voiture pour aller acheter des trucs idiots au supermarché du coin. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'éprouvaient pas le besoin de consommer de manière frénétique parce qu'ils avaient des valeurs traditionnelles, parce qu'ils vivaient dans des valeurs traditionnelles et que, comme le montre très bien Freud, les valeurs traditionnelles, la sublimation, les valeurs religieuses, les valeurs morales un peu strictes, eh bien, ça freine la consommation, ça freine le désir. C'est la sublimation. La sublimation, c'est un moyen de calmer le désir. Désublimer, c'est livrer nos enfants à l'appétit permanent de consommation. Et donc, on est rentré dans cette logique de la déconstruction des valeurs traditionnelles, parce que sans cette déconstruction des valeurs traditionnelles, nos enfants n'achèteraient pas sans arrêt ce qu'on leur propose. Si mes filles avaient les valeurs de mon arrière-grand-mère que j'ai bien connue, elles n'achèteraient pas trois téléphones portables par an, ou l'équivalent au jeu Nintendo, PlayStation ou ce que vous voudrez. Donc, on est là dans une logique de ce que Marcuse avait appelé d'ailleurs déjà de manière très intelligente la désublimation répressive. On désublime, c'est-à-dire qu'on déconstruit les valeurs traditionnelles et on livre nos enfants pieds et poings liés à la consommation addictive. Vous voyez, comme ils croulent sous les cadeaux à Noël, tout ça est dans un coin de la pièce au bout de 48 heures et ne servira plus jamais. Mais on est vraiment dans une logique d'hyperconsommation qui ne pouvait pas fonctionner sans que, il y eût cette déconstruction des valeurs traditionnelles. Voilà pourquoi le vrai moteur de la déconstruction des valeurs traditionnelles, paradoxalement, c'est le monde bourgeois. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Immense paradoxe. Réconciliation du bourgeois et du bohème. Qui achète les tableaux d'art contemporains? François Pinault, Bernard Arnault, certainement pas les paysans ou les ouvriers. Et donc vous trouvez évidemment en fin de parcours une réconciliation du bourgeois et du bohème dans cette idéologie de l'innovation destructrice. Voyez la logique de ce qu'on a vécu au XXe siècle. Encore une fois, qui est passionné d'art contemporain? Absolument pas les ouvriers ni les paysans. À la FIAC, vous ne rencontrerez pas un paysan ni un ouvrier. D'ailleurs, ils n'auraient pas les moyens d'acheter un Jeff Koons ou un Bertrand Lavier. Mais vous croiserez les grands bourgeois, les grands financiers, les grands banquiers qui sont passionnés par l'art contemporain, parce qu'au fond, l'art contemporain est exactement la superstructure du monde capitaliste. D'où la réconciliation du bourgeois et du bohème dans la figure du bobo, c'est-à-dire dans la figure de l'innovation et de la rupture avec la tradition. L'art contemporain, au fond, il y a très peu de beauté en lui, énormément de rupture et d'innovation. Et donc, quand Bertrand Lavier s'amuse à poser des frigidaires sur des coffres-forts, par exemple, ou à goudronner un piano, eh bien, comme Duchamp en son temps, ou comme mes petits bohèmes de tout à l'heure, eh bien, il invente simplement quelque chose qui n'avait pas été fait avant. C'est tout. Il est dans la logique qui était celle de Steve Jobs quand il fabriquait son nouvel iPhone, c'est-à-dire la logique de l'innovation qui rend obsolète tout ce qui est antécédents. Il s'agit simplement d'innover et de rompre. Voilà. Et on dit évidemment, c'est formidable, j'innove et je romps, donc je suis révolutionnaire. Mais en fait, c'est la révolution permanente du capitalisme moderne que nous vivons. Et donc, la réconciliation du bourgeois et du bohème, dans la figure du bobo, c'est le phénomène majeur sur le plan culturel de cette fin du XXe siècle, début du XXIe, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est vraiment la réconciliation de l'art contemporain et de la bourgeoisie, dans le concept d'innovation permanente et de rupture avec la tradition. On a là quelque chose qui donne la clé du temps présent. Et c'est extraordinairement profond, je ne le développe pas, mais les ramifications sont sans fin. Voilà pourquoi, quand je dis ça sur l'art contemporain, ça énerve les gardes rouges de l'art contemporain, qui se pensent toujours comme des révolutionnaires, alors que, évidemment, l'artiste est de gauche, mais l'acheteur est de droite. Et c'est pas pour rien.
D'ailleurs, je ne vois pas comment il en serait autrement, étant donné le prix des œuvres de Damien Hirst ou de Jeff Koons. Ça ne peut pas être autrement. Encore une fois, aucun ouvrier, aucun paysan ne pourrait mettre 13 millions d'euros dans un veau qui flotte dans un aquarium de formol. Ça, pour, attends, lui préfère le bouffer, il ne va, va pas le mettre dans, dans du formol. Bon, il faut être un grand bourgeois pour trouver ça génial. Bon. Et donc, parce que, au fond, comme disait d'ailleurs mon ami André Consponville d'une formule que je trouve excellente, finalement, l'art contemporain, c'est le seul qui donne raison à François Pinault. C'est-à-dire que le seul qui le conforte dans sa logique industrielle, qui est, que je ne critique pas, hein, qui est la logique de l'innovation destructrice, de cette innovation qui démode en permanence tout ce qui est un peu ancien, qui rend caduque ou obsolète tout ce qui est un peu ancien. Voilà pourquoi les deux traits majeurs du temps présent, c'est la déconstruction des valeurs traditionnelles et en même temps l'émergence de la mondialisation. Les deux sont inséparables. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le bourgeois, le grand bourgeois, se met à adorer l'art contemporain qu'il détestait un siècle plus tôt, qu'il trouvait abominable un siècle plus tôt, même 50 ans plus tôt encore. Mais de la même manière, le bohème entre à l'Académie française, l'ancien maoïste est au MEDEF, et je pourrais vous en donner alors 50 exemples. Tous se sont reconvertis dans la publicité, le cinéma, la finance, la banque, etc. Et donc, tous mes amis, à quasiment sans exception, qui étaient maoïstes en 1968, sont aujourd'hui reconvertis dans le monde capitaliste et en général là où ça se passe bien, là où on gagne de l'argent ou alors à la limite dans la politique, mais de toute façon dans quelque chose qui est en phase avec la modernité capitaliste. Troisième trait du temps présent, c'est de loin le plus intéressant, c'est l'invention du mariage d'amour en Europe, l'invention de la famille moderne, et donc j'achève avec ça et vous allez voir que les trois traits sont liés. On voit déjà comment les deux sont liés, l'innovation destructrice relie les deux premiers traits, et puis le troisième, vous allez voir comment il est aussi un reflet de cette logique du capitalisme moderne. Ce que nous ont appris les grands historiens du Moyen-Âge, le premier c'est Philippe Ariès, l'enfant et la famille sous l'Ancien Régime, mais lisez aussi la géniale petite nouvelle de Maupassant qui s'appelle « Jadis ». C'est qu'au Moyen-Âge, le mariage n'a aucun rapport avec l'amour. On ne se marie jamais par amour, faites attention, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, on peut s'aimer, ça peut arriver dans le mariage. Mais ce n'est pas le motif du mariage, le mariage n'a aucun rapport avec le sentiment. On se marie au Moyen-Âge pour trois raisons qui sont le lignage, la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné. Et puis on se marie parce qu'au Moyen-Âge, dans l'Ancien Régime, il n'y a pas de salariat. On n'est pas dans le régime capitaliste. Et donc, il faut fabriquer des bras, les enfants, pour faire tourner la ferme. La ferme, elle tourne avec la famille au sens élargi. Et donc, le motif du mariage, lignage, économie, biologie. Rien à voir avec l'amour. Rien. Et donc, du coup, on ne divorce pas non plus. Le mariage n'existe pas au Moyen-Âge. La première vraie loi, alors je sais, il y en a sous la Révolution française, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire juridique. La première vraie loi sur le divorce, c'est 1884. Et c'est lié directement à la généralisation du mariage choisi par amour dans la classe ouvrière. Quand on invente le mariage d'amour, on invente le divorce, je vous dirai en trois mots pourquoi tout à l'heure. Restons sur le premier trait. Les historiens nous apprennent trois choses sur la famille, les historiens du Moyen-Âge, médiévistes. Première chose, on ne se marie jamais par amour. J'avais déjà eu l'occasion de citer ces deux anecdotes, mais je vous les recite dans ce contexte-là parce que c'est le bon contexte. Montaigne, cette phrase incroyable de Montaigne que j'ai trouvée par hasard dans le livre 3 des Essais, dans le chapitre 5, qui est consacré à la vie privée. Montaigne n'a pas de mots assez durs pour stigmatiser l'idée même de mariage d'amour, qui lui paraît absurde. Se marier par amour, c'est catastrophique à ses yeux. Et il écrit ceci, « J'ai vu parfois, dit-il, guérir de manière honteuse et déshonorante l'amour par le mariage. » De manière honteuse et déshonorante. Se marier par amour, c'est honteux et déshonorant. Il ajoute cette phrase, « Épouser la femme qu'on aime, dit-il, c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête. » C'est du Montaigne. Et deuxième anecdote que j'avais racontée aussi, mais elle est tellement typique, c'est un aristocrate qui part, on est au Moyen-Âge pour un long voyage, il n'y a pas le téléphone, il rentre à l'improviste au bout de quelques mois, il trouve sa femme en train de pratiquer une bonne manière à son meilleur ami,
Et cet aristocrate, tout de même un peu choqué, il rentre dans son château, il voit cette scène qui ne prête à aucune équivoque, et il s'exclame « Mais enfin, madame, lui dit-il à sa femme, imaginez que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui soit rentré dans la pièce. » Et c'est parfait, parce que comme il n'y a pas d'amour-passion, il n'y a pas non plus de jalousie. Il y a le souci des bienséances, le souci du lignage, il ne veut pas laisser son château au fils du voisin de palier, mais il n'y a évidemment aucune jalousie parce qu'il n'y a pas d'amour-passion. L'amour-passion et la jalousie marchent ensemble, comme vous savez. Et si vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas vécu l'amour-passion, parce que c'est évidemment inséparable. Mais là, il y a lignage, économie, biologie. Deuxième enseignement des historiens, non seulement on ne se marie pas par amour, mais on ne se marie pas, on est marié, évidemment. On est marié, non seulement, comme dans les pièces de Molière, par les parents, mais on est marié par le village tout entier. Le mariage est l'occasion, par exemple, de réconcilier des familles qui sont fâchées, de mettre ensemble, du coup, des parcelles de terrain qu'on cultivera plus facilement. C'est un enjeu communautaire. C'est une fête de village, d'ailleurs. C'est pas pour rien que c'était une fête de village. En très longtemps, le mariage a été une fête de village. On réconciliait des familles, d'ailleurs aussi bien dans le petit peuple paysan que dans la haute aristocratie. Et ce qui a montré, ce qui a passionné les historiens, c'est la pratique du charivari. Quand un homme était cocu, trompé par sa femme, ce qui arrivait à l'époque comme aujourd'hui et réciproquement, eh bien, on allait choper le malheureux paysan dans son champ, on l'asseyait à l'envers sur un âne, ça s'appelait l'asoie. Tout ça a donné lieu à dénomination, ce qui veut dire à quel point ces traditions étaient fréquentes. Ça s'appelait l'asoie, on lui faisait traverser le village à l'envers sur son âne, on lui crachait à la figure, on le cognait un peu, on lui jetait des légumes pourris, on remettait les deux époux dans leur maison, et là commençait le charivari. On tapait sur les murs de la maison avec des pelles, des poils, des casseroles, tout ce qui peut faire du bruit, quelquefois jusqu'à 48 heures, pour rappeler la loi du mariage, qui est la loi de la fidélité, évidemment, lignage oblige. Et donc, cette coutume a passionné les historiens, parce que ça montrait que, comme c'est le village qui avait marié les jeunes gens, c'est le village qui rappelait la loi de la famille, c'est-à-dire la loi de la fidélité. Évidemment, aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'esprit. Du reste, sur le plan architectural, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de couloir et pas de porte dans les maisons ni dans les châteaux. Il n'y a pas d'intimité. L'intimité, elle n'apparaîtra qu'avec le 19e siècle. La construction de maisons avec des chambres fermées, des couloirs, c'est le 19e siècle. C'est ce moment où on va inventer la vie privée. Et évidemment, tout ça est lié à l'invention du mariage d'amour, à l'invention de la famille moderne. Troisième enseignement, comment on invente la famille moderne ? Livre magnifique d'Edward Shorter, La naissance de la famille moderne, c'est, et là vous allez voir comment les trois traits se mettent ensemble, c'est le capitalisme moderne qui invente la famille moderne. Pourquoi ? Parce qu'il invente le salariat, tout simplement. Quand vous inventez le salariat, il va avoir un effet majeur, majeur. Ça, c'est vraiment, c'est l'événement le plus important qui soit dans toute l'histoire de l'Europe. L'invention du salariat, on sort de l'ancien régime, du régime féodal, où il n'y a pas de salaire, pas d'ouvrier. L'invention du salariat, c'est la naissance de l'individu. Pourquoi ? Parce que sous l'effet du marché du travail, les individus vont s'arracher au village. Ils vont, comme on dit, monter travailler à la ville. Ils vont devenir, les mots ont un sens, non plus les membres d'un corps social, d'une communauté villageoise, religieuse et paysanne. Membre, ça veut dire qu'on est partie prenante d'une totalité. C'est ce qu'on appelait le holisme. Le tout est plus important que les parties. On est membre. Un membre, on n'arrache pas un bras à quelqu'un. Si vous êtes un membre, vous faites partie de la communauté, vous êtes partie intégrante, comme un membre dans un corps. Eh bien, avec le salariat, les individus vont naître. On va cesser d'être un membre d'une communauté, d'un corps social, pour devenir un individu autonome. C'est ça, l'individualisme. Le mot apparaît dans les années 1830 pour décrire ce mouvement d'arrachement des personnes, des individus qui quittent le village pour monter travailler à la ville. Et donc, on a des monographies. Mettez-vous à la place d'une petite gamine qui va quitter son village. Elle a peut-être 14-15 ans pour aller travailler comme ouvrière dans la grande ville, dans une usine. C'est la naissance du monde ouvrier, des usines, du monde industriel. Cette petite gamine, au lieu de la taper le matin pour la sortir de son lit, aller garder les vaches au champ, on va la payer pour travailler. Ça change tout. Elle va avoir une double liberté dans la grande ville, après avoir quitté son village. Un, elle est loin du curé, elle est loin de l'église, du clocher, elle est loin de la famille, où elle était mariée dans son village sans qu'on lui demandât son avis, avec quelqu'un qui était prévu pour elle de toute éternité, si je puis dire, pour mettre ensemble des familles, des terrains. Elle va échapper donc au poids
au contrôle social, comme disent les sociologues, au poids du village où elle était mariée, encore une fois, sans qu'on lui demande son avis. Donc elle est assez loin du village. Et puis deuxième liberté qu'elle va avoir, au lieu, comme je disais, de la taper le matin pour sortir du lit, on la paye pour travailler, si petit soit-il, le salaire. C'est l'autonomie matérielle. Que vous vouliez divorcer, mesdames, ou que vous vouliez vous marier librement, sans l'autorisation du père de famille, il vaut mieux que vous ayez un revenu, sinon vous êtes feinté. Et donc cette petite gamine, si petit soit-il, le salaire qu'elle obtient en travaillant va lui permettre, par exemple, de prendre une chambre de bonne avec une copine ouvrière comme elle, et de dire non au village, je ne veux pas être marié, je veux me marier. Librement, et mettez-vous à sa place, évidemment, se marier pour elle, c'est se marier par affinité élective, par amour, si possible, avec le jeune homme bien fait qui travaille là-bas à l'établi et pour lequel j'éprouve du sentiment. C'est comme ça qu'elle va penser. Et elle a, contrairement aux enfants dans les pièces de Molière, elle, les moyens de sa politique, parce qu'elle gagne sa vie et qu'elle est loin du village. Et donc, grâce à cette double liberté, la distance d'un côté, le salaire de l'autre, elle va pouvoir décider non plus d'être mariée, mais de se marier. Et du coup, évidemment, par amour. Trois conséquences, et ce seront mes conclusions. Première conséquence, l'invention du divorce. Si vous fondez le mariage, la famille, avec lui, sur l'amour-passion, sur la passion amoureuse, vous fondez le mariage et la famille sur du sable. Vous fondez la famille et le mariage sur quelque chose qui dure 3 ans, et encore. Et vous inventez le problème du couple moderne, qui est comment transformer la passion amoureuse des débuts, la passion érotique-amoureuse, celle qui vous occupe la tête et le cœur à pied, à cheval et en voiture, si je puis dire, dans le métro, dans le train, sous la douche ou dans l'avion, peu importe, ou au bureau. Eh bien, la question du couple moderne, c'est comment transformer la passion amoureuse des débuts qui fait qu'on s'est marié en quelque chose qui est appelé aujourd'hui à durer non pas 6 ou 7 ans comme au XVIIIe siècle, mais 30 ou 40, voire plus. Dans le meilleur des cas, c'est la transformation de la passion en amitié amoureuse. Ça peut être formidable, ça peut être plus beau que la passion d'ailleurs. L'amour peut devenir plus profond, plus solide, plus beau peut-être que l'amour-passion, qui n'est pas forcément la plus belle image de l'amour qui soit. Mais en tout cas, ça n'est plus l'amour-passion. Et beaucoup vont divorcer à cause de ça, parce que la déception va s'installer. Le regret, la nostalgie de la passion amoureuse va s'installer. Et du coup, 50% de nos mariages d'amour se terminent par un divorce. Pas du tout parce que la famille va mal, comme le disent les imbéciles, c'est complètement idiot. Jamais les valeurs familiales n'ont été aussi prisées qu'aujourd'hui. Nos enfants restent à la maison jusqu'à 25 ans. C'est pas du tout ça qu'on vit. Simplement, ce qu'on vit, c'est une famille qui est fondée sur l'amour et sur la liberté. Et bien évidemment, l'amour et la liberté, c'est beaucoup plus difficile que la tradition. Encore une fois, au Moyen-Âge, on ne divorçait pas. Non pas parce qu'on s'aimait toute la vie, c'est pas vrai, mais on ne divorçait pas parce que le fait de ne pas s'aimer n'était pas un motif de divorce, parce que le fait de s'aimer n'était pas un motif de mariage, voyez. Et donc aujourd'hui, bien sûr, ayant fondé la famille sur l'amour-passion, quand l'amour-passion disparaît, quand il se transforme en indifférence ou en haine, eh bien, on divorce. Et en plus, on a le droit. Donc, on va se marier plusieurs fois dans sa vie, évidemment. Mais encore une fois, pas du tout parce que les valeurs familiales vont mal. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que les valeurs familiales sont plus prisées que jamais en Europe. Mais parce qu'on a fondé la famille sur la liberté et sur l'amour. Qui ici voudrait revenir en arrière? Quelle est la femme qui voudrait être à nouveau mariée? 130 millions de petites filles vont être mariées de force d'ici 2020 dans le monde. C'est une horreur. Ne boudons pas notre liberté, mais sachons qu'elle a un prix. Ça, c'est la première conséquence de la liberté, du choix et de l'amour-passion. La deuxième conséquence, elle est plus réjouissante, c'est un, encore que, elle pose beaucoup de problèmes, mais c'est un amour exponentiel des enfants. On va se mettre à aimer nos enfants plus que tout au monde. On va sacraliser littéralement l'enfant. Au Moyen-Âge, la mort d'un enfant n'a à peu près aucune importance. Elle est souvent moins grave que la mort d'un cochon. Aujourd'hui, la mort d'un enfant est la pire chose qu'on puisse nous arriver. Je cite toujours ce texte de Montaigne, encore lui, qui écrit à l'un de ses amis « J'ai perdu 2 ou 3 enfants en nourrice, si c'est pas trop. Bon. » Et donc, Rousseau abandonne ses 5 enfants, Bach a perdu 10 enfants, Luther a perdu 10 enfants, tout ça va de soi. Et donc, on n'est pas... Alors, là aussi, éviter la bêtise, l'erreur habituelle... spontanément, on pense que les enfants mouraient beaucoup, alors du coup, on ne s'y attachait pas. Non, c'est l'inverse. C'est parce qu'on ne les aimait pas qu'ils mouraient beaucoup. Ce qu'a montré Flandrin de manière magnifique, Jean-Louis Flandrin, avec Ariès, certainement l'un des plus grands médiévistes au monde, c'est que la mise à mort volontaire des enfants était gigantesque au Moyen-Âge. 30% des petits étaient abandonnés.
Le petit poucet est une histoire vraie. Et donc, c'était évidemment une mise à mort. La mise en nourrice était aussi une mise à mort. Et puis, on trouve dans les homélies des prêtres, jusqu'assez tardivement, jusqu'au XVIIIe siècle, cette admonestation faite aux parents. Ne dormez pas avec les nourrissons. Le père de famille joue le rôle de la truie dans la ferme, il écrase les petits. Et donc, au lendemain, on est très triste, il est mort. Mais en fait, on l'a fait exprès, parce que le premier, on le garde, c'est le lignage. Le deuxième, il faut une route de secours. Le troisième, c'est une catastrophe. Et puis la contraception, elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, évidemment. Donc on n'est pas du tout soucieux des enfants. Puis aussi des raisons philosophiques de fond, théologiques, c'est que l'enfant est non perfectum, il n'est pas cuit, il n'est pas achevé, il est moindre que l'adulte. Donc il n'est pas un objet d'amour, l'enfant, au Moyen-Âge, pas du tout. Contrairement à ce qu'on croit, on croit toujours que l'amour maternel est naturel. Non, Elisabeth Badinter a raison, d'ailleurs elle reprenait les travaux d'Ariès. Il y a une base, évidemment, comme chez les chiens et les chats. Quand vous retirez les petits chats à la chatte qui vient d'accoucher, si je puis dire, elle court partout, mais ça s'arrête très vite. Et c'est pas la biologie qui explique l'amour qu'on a pour ses enfants. Et donc, à part cette petite base, si je puis dire, biologique, les femmes se remettaient très bien de la perte d'un enfant quand c'était le troisième ou le quatrième. Au contraire, elles en étaient ravies, pour dire les choses franchement. Et les travaux des historiens du Moyen-Âge les plus sérieux confirment la chose. Mais d'ailleurs aussi, ce qui est très intéressant, je vous renvoie à ça, les travaux d'une grande économiste et sociologue américaine qui s'appelle Viviana Zelizer. Et vous trouverez ça sur Internet, c'est pas traduit en français, mais il y a des entretiens qui sont traduits en français, qui sont magnifiques, sur l'histoire de l'enfance. Son grand livre s'appelle « Pricing the Priceless Child », « Évaluer le prix de l'enfant qui n'a pas de prix ». C'est un livre absolument magnifique qui montre comment la naissance du mariage d'amour va entraîner un amour exponentiel des enfants qui va se traduire de manière matérielle, comment dire, évaluable. En cas de mort accidentelle d'un enfant, par le biais de l'indemnisation des assurances, notamment des assurances vie. Et donc elle montre comment, en 1870 encore, quand un enfant meurt d'un accident, par exemple, elle prend l'exemple d'un accident de chemin de fer, la compagnie est responsable, il y a un procès, le juge dit non, le petit, il vaut rien, il ne peut pas travailler, donc il vaut rien, le petit, il n'est pas rentable, donc il n'y a pas d'indemnisation. Et elle prend le même exemple 100 ans après, et là, les indemnités pour la mort d'un enfant, par exemple, dans un hôpital, si le médecin a fait une faute, ça peut être des millions et des millions de dollars. Et donc, d'où le titre, évaluer le prix de l'enfant qui n'a pas de prix. Plus on va vers l'enfant qui n'a pas de prix, c'est-à-dire l'enfant est aimé, et plus son prix en cas d'indemnité, évidemment, augmente considérablement. C'est le prix de l'amour, si je puis dire, le precium doloris, comme on dit chez les notaires. Et donc, on a deux conséquences que je viens d'évoquer. L'invention du divorce, un amour exponentiel des enfants. Et puis, une troisième conséquence sur laquelle je m'arrêterai, qui est le fait que cette histoire de la vie privée n'est pas du tout une histoire de la vie privée, contrairement à ce qu'on croit. La famille, c'est pas privé. C'est absurde. La famille, c'est le tissu social. C'est pas du privé, c'est du sociétal. Comment imaginer que dans des démocraties d'opinion, les révolutions de la famille n'aient pas une conséquence sur le plan politique ? Ça n'a pas de sens. On fait 50 sondages par jour. Comment voulez-vous que ça n'ait pas un impact, ces révolutions que je viens d'évoquer ? La multiplication des divorces, l'amour exponentiel des enfants, tout ça, évidemment, va avoir des répercussions sur le plan public, politique et collectif. C'est pas simplement une histoire de la vie privée. Et la grande répercussion sur le plan politique, c'est une révolution dans l'ordre du sacré politique. Alors je vous dis ça, puis je m'arrête. Ce que nous vivons sous l'effet de cette histoire de la vie privée en apparence, mais seulement en apparence, sous l'effet de l'histoire de la famille moderne, ce que nous vivons, c'est une révolution dans l'ordre du sacré. Le sacré, ça n'est pas le religieux. Ça s'entend en français, fort heureusement. Le sacré, c'est ce pourquoi je peux me sacrifier. Des valeurs sont sacrées quand je peux donner ma vie pour elles. C'est ça, le sacré. C'est le rapport à la mort, à la vie. Des valeurs sont sacrées quand je peux risquer, voire donner ma vie pour les défendre. C'est ça, le sacré. Et donc, l'histoire du sacré, c'est l'histoire des guerres. Ce pourquoi les grandes causes mortifères, au sens latin du terme, qui portaient la mort. Ce pourquoi les humains sont partis donner leur vie, la fleur au fusil, comme on dit. Trois grandes figures du sacré mortifère, c'est les grandes guerres, encore une fois, guerre de religion, Dieu, bien sûr,
Les guerres de religion ont été les plus atroces qui soient. Deuxième grande figure du sacré, la nation. La dernière guerre mondiale a fait 57 millions de morts. Et puis troisième grande figure du sacré, troisième grande cause de guerre, de mort, c'est pareil. Eh bien, évidemment, la révolution. Le communisme fait 120 millions de morts, 70 millions rien qu'en Chine. Dieu, la patrie, la révolution, c'est les trois grandes figures du sacré. Trois grandes causes de guerre, trois grandes causes de mort massive, mais ça donnait du sens. On avait une cause. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sous l'effet de la grande déconstruction que je décrivais tout à l'heure. Ces trois grandes figures du sacré ont disparu d'Europe. Voilà. Et c'est ça qu'on vit. Alors il y a toujours quelqu'un au fond de la salle qui dit, si, si, moi je suis croyant. Mais bien sûr, mais c'est pas ça. Ou j'aime la France. Bon, révolutionnaire, franchement, il n'y a pas des masses. Mais sur les deux premiers, il y a toujours quelqu'un qui me dit, non, non, moi, la patrie, bon. Mais voyez, les gens ne comprennent pas. On est toujours obligé d'expliquer les choses 10 fois, mais c'est tellement évident. Bien sûr qu'on peut être patriote, il y a des patriotes dans la salle, il y a 50% ou 60% de croyants dans la salle. C'est pas ça que je dis pas que la religion a disparu ou que le nationalisme a disparu. Je dis simplement qu'elles ne sont plus mortifères, ces entités. On ne meurt plus pour la nation comme on mourait pour la nation en 1914. Voilà. Le chemin des dames, le général Nivelle, 360 000 morts en 6 semaines, c'est fini. Aucune famille en Europe n'accepterait ça. Aucune. Aucune. Et donc, on n'est plus dans cette logique où on envoyait des gamins de 18 ans se faire mitrailler sans compter les corps francs comme on le faisait en lisez Céline, voilà, Voyage au bout de la nuit, comme on le faisait en 1914. Tout ça, c'est terminé. Voilà, les guerres qu'on fait aujourd'hui, c'est sans mort. Voilà. Il y a moins dans les 10 dernières interventions militaires françaises, il y a moins de morts qu'en un week-end sur la route. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est quelque chose qui est fascinant, c'est qu'il y a des croyants dans la salle, mais il n'y a pas de fous de Dieu. Il y a des patriotes, mais il n'y a pas de fous de la nation. Et la révolution, encore une fois, notre petit facteur à grosses joues, ça lui passera avant que ça me revienne. Il ne va pas mourir pour l'augmentation du SMIC, c'est fini. Les étudiants n'ont plus les photos de Beria ou de Che Guevara dans leur chambre, c'est terminé. Et donc, qu'est-ce qui vient à la place? Les imbéciles pensent que c'est le désenchantement du monde, la dépression. Mais c'est idiot, c'est tellement bête que ça finit par m'énerver à un point que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas du tout ça qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est l'émergence d'une nouvelle figure du sacré. C'est pas du tout la fin du sacré. Ce que nous vivons, c'est l'incarnation du sacré dans l'humanité. Ce que nous vivons, c'est la sacralisation de l'humain. Posez-vous la question à vous-même, pour qui ou pourquoi vous seriez prêt à risquer votre vie? Réponse pour l'immense majorité, sinon la totalité d'entre nous dans cette salle. Les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies, ce sont des êtres humains, ce sont des personnes de chair et de sang, pas des abstractions. C'est ça qu'on vit. Évidemment, d'abord nos proches, ceux qui sont sacralisés par l'amour. Bien sûr, nos enfants, on est tous prêts à risquer nos vies, voire à les donner pour nos enfants. Bon, mais pas seulement, du proche au prochain, il y a un trait d'union, sympathos, Mitleid en allemand, la sympathie, souffrir avec. Et donc, ce qui nous apparaît comme évident, c'est que seul l'être humain mérite qu'on prenne le risque de mourir pour lui. Max Weber évoquait toujours les valeurs traditionnelles, il prenait toujours un exemple qui était l'exemple du capitaine qui, dont le bateau est en train de faire naufrage et qui meurt. Il doit couler, hein, s'il se respecte, il n'est pas comme l'Italien là, qui s'est carapaté au bout d'un quart d'heure. Le vrai capitaine, le code d'honneur du marin, c'est de rester sur le bateau quand il coule. Eh bien, on meurt avec son bateau, très bien. Ben aujourd'hui, plus personne, c'est métaphorique ce que je dis, mais plus personne n'est prêt à mourir pour la coque du bateau, mais pour ceux qui sont dessus, évidemment, oui. Bien sûr, en tout cas à risquer nos vies ou à faire quelque chose. Et donc ce que nous vivons, ce n'est pas du tout l'éclipse du sacré, c'est la sacralisation de l'humain, l'incarnation, ce que j'appelle la transcendance dans l'immanence. La transcendance aujourd'hui, elle est plus verticale, c'est plus Dieu, la patrie, la révolution. C'est la transcendance horizontale, c'est la transcendance de l'autre être humain que nous vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas la disparition de la transcendance. Et ça a un effet politique majeur. La seule question politique nouvelle... C'est la question des générations futures. C'est pourquoi, d'ailleurs, le seul mouvement politique nouveau en Europe depuis la Révolution française, c'est l'écologie politique. Ils ont plein de défauts, mais ils ont mis le doigt dessus. Et ça, je ne peux pas leur retirer. L'idée est la suivante, c'est que... Oh, je vais être très simple, je vais m'arrêter là, mais juste avec 3 mots encore. Si je remonte à 68, j'avais 17 ans, je découvre la vie politique, je regarde un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que je vois autour de moi en 68? Je vois 2 motifs de sacrifice, 2 figures du sacré encore vivantes.
À droite, mes amis gaullistes ont un journal qui les réunit qui s'appelle La Nation, dirigé par un journaliste qui s'appelle Pierre Charpie. Et on est la France, la France, la France, jusqu'à Villepin compris. Et puis à gauche, tous mes camarades, qu'ils soient trotskistes, maoïstes, communistes, anarchistes, ils sont révolutionnaires. C'est les deux foyers de sens. La nation à droite, la révolution à gauche. Et on n'est pas tout à fait prêt pour mourir, à mourir pour elle. Mais enfin, il y a encore la guerre d'Algérie, et pas si loin. Par exemple, les accords d'Évian, c'est 1962. On est encore tout près des grandes guerres nationalistes. Bon. Mais en tout cas, les deux foyers de sens, c'est la France d'un côté, la révolution de l'autre. La nation d'un côté, l'idée révolutionnaire de l'autre. Tout ça est mort aujourd'hui. Et, chers amis, c'est la meilleure nouvelle du millénaire. Il faut arrêter de pleurnicher. J'ai des amis à droite qui regrettent le temps où on tirait sur les Allemands. Moi, pas tellement. J'ai fait mes études en Allemagne. J'ai des amis à gauche qui regrettent l'idée révolutionnaire. Ils disent oui, on se trompait en 68, mais enfin, c'était vivant. Mais non, c'était l'horreur absolue ce qui s'est passé en Chine. C'était l'abomination de la désolation. Et donc, que ces entités mortifères aient disparu, c'est la meilleure nouvelle, pas du siècle, du millénaire. Qu'est-ce qui vient à la place? Une question nouvelle qui est entièrement programmée par cette histoire que je viens de vous raconter, qui est la question des générations futures. Quel monde allons-nous laisser à l'humanité qui vient? Et c'est médiatisé par nos enfants, médiatisé au sens étymologique, pas au sens des journaux. C'est relayé, si je voulais, le trait d'union, c'est nos enfants. Quel monde vais-je laisser à mes filles? Mais mes filles, c'est l'humanité qui vient. Ce n'est pas mes filles, c'est les vôtres aussi. Quel monde allons-nous leur laisser à ces enfants qui viennent, à notre jeunesse? C'est la question de la dette publique. Est-ce qu'on va leur laisser une ardoise? C'est la question du choc des civilisations. Est-ce qu'on va leur laisser un monde en guerre? C'est la question de l'avenir de la protection sociale dans ce jeu de massacre, de dumping social qu'est la mondialisation. Est-ce qu'on va leur laisser de quoi payer l'assurance maladie, chômage, etc., etc., l'école et tout ce qui s'ensuit? Et donc, toutes les grandes questions politiques, chers amis, vont se regrouper dans les années qui viennent, non plus sous l'égide de la nation ou de la révolution, mais sous l'égide de cette question: quel monde allons-nous laisser à ceux qui viennent? C'est la grande question politique. Et là, vous voyez que l'histoire de la vie privée, en apparence, et l'histoire de la vie publique se rejoignent. Elles sont inséparables, évidemment. Et on ne peut pas imaginer qu'il en soit autrement dans une démocratie d'opinion. Est-ce que nos politiques seront capables de comprendre cela? Ça viendra. Voilà. Mais ils sont lents. Sarkozy a fait toute sa campagne sur la frontière, la viande halal, enfin des âneries. Et puis, de l'autre côté, Hollande a parlé de la jeunesse, mais la politique de la jeunesse, elle n'existe pas aujourd'hui. Il n'y en a pratiquement aucune. Je ne jette pas la pierre à la jeune femme qui vient de prendre le ministère. Elle vient d'arriver. Mais il n'y a pas de politique de la jeunesse. Tout ce que j'avais mis en place avec l'opération Envie d'agir, avec le service civique, tout ça, personne n'en parle aujourd'hui. Vous ne savez même pas qui est le ministre de la jeunesse. Enfin, Najat, on la connaît un peu parce qu'elle est médiatique, mais je serais incapable de vous citer les noms des ministres de la jeunesse depuis 10 ans. J'en sais rien. Il n'y a pas eu de politique de la jeunesse en France. C'était scandaleux. Et donc, alors qu'évidemment, toutes les questions que nous nous posons en termes de sens, elles sont liées à nos familles, ou en tout cas aux gens que nous aimons, si nous n'avons pas de famille. C'est évident pour eux qu'on est prêt à la fois à remettre du long terme dans une société qui est bouffée par le court terme et à remettre du sacrifice dans une société qui est évidemment individualiste. C'est là que ça se joue, encore une fois. Et donc, est-ce que nos politiques seront capables de le comprendre? Ça viendra forcément, mais le jour où il y en a un qui comprendra ça, à mon avis, il touchera le jackpot, parce que pour faire des réformes, comme je vous l'ai dit déjà, il y a deux conditions. Un, il faut qu'elles soient parfaitement équitables. Deux, il faut qu'elles aient du sens. Or, le sens, il est là, évidemment. Il est dans cette sphère-là. C'est de ce côté-là qu'on peut le trouver. C'est de ce côté-là qu'on peut demander à nos concitoyens même des sacrifices. Mais ce n'est pas en leur disant « il faut aider les entreprises » ou « il faut faire plaisir à Bercy » qu'on va mobiliser les larges masses. Merci à vous. Question d'auditeur. Vous avez parlé de la course à l'innovation en deuxième point. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il existerait un moyen de ralentir justement cette course à l'innovation? Non. Je ne pense pas. Pas aujourd'hui. Les théories de la décroissance ne marchent pas. Et en plus, elles ne sont pas crédibles politiquement. J'ai eu cette discussion, si ça vous intéresse, avec Yves Cochet. Si vous voyez qui c'est, qui est notre ancien ministre de l'écologie. Et d'ailleurs, à mon avis, un des écologistes de très très loin les plus intelligents, sinon le plus intelligent que j'ai rencontré, qui est un grand théoricien de la décroissance. Et il me confiait lui-même, vous pouvez retrouver d'ailleurs notre débat dans un livre qui a été publié chez Odile Jacob, que
Évidemment, il ne peut pas défendre la décroissance ou le ralentissement de l'innovation, de la logique du capitalisme dans une campagne électorale. C'est impossible. Pourquoi? Parce que plaider pour la décroissance, c'est plaider pour... On y est là, on y est d'ailleurs. C'est des faillites, c'est du chômage, c'est de la misère humaine. Et donc pour l'instant, dans la société de compétition universelle dans laquelle nous sommes plongés, pour qu'on puisse avoir éventuellement une politique de ralentissement, en admettant que ce soit souhaitable, ce qui n'est pas certain, mais imaginons que ce soit souhaitable, hein, pour des raisons écologiques, morales, imaginons qu'on souhaite limiter la logique et de la consommation et de l'innovation qui sont inséparables. Il faudrait au minimum qu'on ait une gouvernance mondiale. Voyez, vous ne pouvez pas décider de vous arrêter dans un seul pays. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait la France aujourd'hui, d'une certaine manière. On n'est pas très bon, quoi. Et donc, on voit bien qu'elle se désindustrialise, on voit bien qu'elle n'investit pas suffisamment dans l'innovation, parce que les marges de bénéficiaires des entreprises ne sont pas suffisantes pour ça. Elles sont la moitié de celles des entreprises allemandes. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas décider de la décroissance ou du ralentissement dans un seul pays. À la limite, si on voulait y arriver, il faudrait qu'il y ait des instances de régulation mondiale qui organisent la chose pour le monde entier. Sinon, si vous vous arrêtez en France, ça n'empêche pas les Chinois de continuer. Ça les fait rigoler, simplement. Et donc, eux, c'est simplement un avantage, différentiel pour eux. Donc, le problème de la décroissance ou le problème du ralentissement de l'innovation et de la logique capitaliste, c'est un problème extrêmement difficile parce que, encore une fois, même si on le souhaitait, ça ne serait de toute façon possible qu'au niveau d'une régulation mondiale. On ne peut pas décider la décroissance dans un seul pays. Et d'ailleurs, les théoriciens de la décroissance en sont conscients. Simplement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faudrait qu'on se tire des balles dans le pied en France pour montrer l'exemple aux autres. Juste, ça les fait rigoler. C'était le problème de la taxe carbone, par exemple. Hein. Le problème de la taxe carbone, d'ailleurs, c'est inimaginable que ce soit la droite qui ait voulu faire voter cette ânerie. Ça faisait hurler de rire les Chinois, évidemment. Ils se disaient, mais mettez-vous des taxes carbone, si possible, très très lourdes. Nous, on s'en fout, on n'a pas besoin de, on vous regarde. Soyez vertueux, nous on l'est pas, on n'en a rien à faire. Et ils nous disent évidemment, ces pays, ces BRICS, ils nous disent, vous vous êtes gavés pendant des siècles, vous êtes dans des sociétés où il y a des millions de voitures, un niveau de vie incroyablement élevé, etc. Et vous voudriez maintenant nous imposer de limiter l'innovation et la croissance. Vous rigolez. Et donc ils n'ont qu'une envie, c'est d'arriver au même nombre de voitures par tête d'habitant, d'arriver au même niveau de vie, d'arriver au même confort, au même bien-être. Donc on ne peut pas ralentir sans passer par des instances mondiales. Du coup, c'est évidemment très difficile. Ça viendra peut-être, c'est pas idiot, hein, mais c'est pas envisageable pour le quart d'heure. Je vois dans votre exposé un paradoxe, que si vous pourriez l'expliquer, ça serait, je pense, éclairant également. D'un côté, on a des entreprises qui ont absolument besoin d'innover, qui ont besoin de toujours plus de cerveau pour penser à des choses nouvelles. Oui. Et de l'autre côté, on voit des valeurs familiales qui amènent de plus en plus les femmes, non pas au travail pour essayer de justement avoir un autre point de vue, essayer de voir d'autres choses, mais de plus en plus à s'occuper de cet enfant sans prix dont vous parlez. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Alors, en Allemagne, vous savez que ça fait hurler les féministes, les femmes arrêtent de travailler quand elles ont des enfants. Les enfants restent très très longtemps à la maison. Il n'y a pas d'école à pré-primaire, maternelle, comme chez nous, aussitôt, à partir de 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans. Et donc, on a justement un mouvement qui paraît très régressif aux féministes françaises, parce que les femmes allemandes, y compris à gauche d'ailleurs, très majoritairement, ont envie de s'occuper des enfants, arrêtent de travailler, etc. Bon. Maintenant, plus généralement, si on élargit la question que vous posez, et c'est plus qu'un paradoxe qu'on vit, c'est une vraie contradiction. Je sors le 15 mai un livre qui s'appelle « L'innovation destructrice », dans lequel je dis au fond la chose suivante, c'est qu'à la fois l'innovation est vitale pour nous, la désindustrialisation de la France est économiquement une catastrophe, socialement une catastrophe, et puis l'innovation, elle nous permet de vivre beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps, etc., et avec un confort beaucoup plus grand. Mais en même temps, l'innovation rendant obsolète tout ce qui est ancien, elle démode tout ce qui est ancien,
Cette innovation démode tout ce qui est ancien, pas simplement dans le champ des objets, des voitures, des iPhones, etc. Mais c'est dans tous les domaines, dans le domaine des mœurs, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la morale, dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'information. Le journal de la vieille, bon, l'absus de la veille est aussi vieux qu'Homère, disait Peggy déjà. Et donc on est dans une logique qui est une logique d'innovation destructrice tous azimuts. Ce qui fait la chose suivante, c'est que si vous êtes attaché à un coin de tradition, quel qu'il soit, matériel ou spirituel, vous êtes croyant, vous aimez un coin de campagne, et vous voyez des maisons bouygues qui s'installent partout, vous voyez un mariage gay qui vous tombe dessus, et vous êtes croyant, et vous avez le droit d'être croyant. Moi, je suis pour le mariage gay, ça ne me gêne pas, mais je comprends très bien qu'on puisse être, pour des raisons religieuses, notamment très hostile à ces innovations sociales. Bon. Et donc, si vous êtes attaché à un coin de tradition, quel qu'il soit, vous ne pouvez que détester ce monde. Même s'il vous rend service par ailleurs. Pour dire les choses bêtement et simplement, si j'étais libraire, je n'aimerais pas Amazon. Vous voyez ? Parce que avant que l'innovation crée des emplois et produise ce que les économistes appellent une synthèse créative, une synthèse réussie, elle détruit des emplois, elle crée des difficultés, elle crée du chômage. Quand Gutenberg invente l'imprimerie, un ouvrier imprimeur met au chômage 200 copistes. Quand Amazon invente la librairie sur le net, eh bien, ça va probablement. Il y a 3000 libraires en France. Je vous prends le pari qu'il en restera 150 dans quelques années. Les journaux vont disparaître aussi, évidemment, remplacés par les liseuses. Et donc, évidemment, dans un premier temps, les grandes innovations, avant de créer des emplois et d'apporter vraiment des bénéfices réels, elles sont terribles, elles sont dévastatrices, voyez. Et donc c'est constamment ça qu'on vit dans le capitalisme moderne. C'est un paradoxe immense, c'est-à-dire à la fois une innovation qui est absolument vitale pour nous et qui est en même temps terriblement destructrice. Et on est constamment entre les deux, voyez. Et donc on a l'exemple que vous preniez est très bon, mais il y en a plein d'autres. Vous voyez, c'est ça qu'on vit. On a une grande difficulté. Ce qui fait que le discours patronal n'est pas assez tragique sur le sujet. Vous voyez, les patrons, ils sont à fond pour l'innovation dans leur domaine. Ils sont pour que les marges de manœuvre des entreprises reviennent, pour qu'on puisse investir dans l'innovation, etc. Mais ils ne voient pas en général à quel point l'innovation a aussi, pour parler comme dans la guerre des étoiles, un côté obscur. Voilà, c'est ça qui fait que ça bouleverse toutes les identités, l'identité nationale, ça bouleverse toutes les traditions, ça bouleverse tous les paysages, toutes les religions. Et donc on est dans une situation qui est extraordinairement paradoxale. Oui, c'est un vrai paradoxe. Voilà. Comment en sortir ? C'est très difficile parce qu'il faudrait corriger sans cesse les effets pervers de l'innovation. Et pour ça, il faut les voir. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre là qui sort le 15 mai, parce que au fond la thèse que je défends, c'est que si on veut que l'innovation soit acceptée par nos concitoyens, il faut aussi accepter d'en corriger en permanence les effets pervers. Voilà, pas commode.